Ah, t'es amoureux? Moi, je fais les yeux d'amour. Bien sûr. Ah. T'oublies que nous sommes devant la caméra. Moi, faire les yeux d'amour devant bien toi. Bien sûr. Ah. Ah, je peux donner mon ali bendé. Non, c'est pas question de libérer. Adam, tu as quoi à bon? Adam, tu as quoi à bon? Tu as quoi à bon? Tu as quoi à bon? Je ne vais pas entrer dans ce sujet-là. Ah. On va parler des choses qui sont intéressantes. On va parler des. Il y a moins d'intéressantes. Ah. Les chrétiens, besoin de caïe. Bon, c'est pas grave. Je sais pas, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est toi qui fais les yeux des femmes amoureuses. Non, moi j'ai des beaux yeux, en fait. Et puis. Naturellement, bien tu sûr. As des, naturellement, tu as des beaux yeux. Bien sûr. Mais pourquoi tu te retrouves toujours seule? Comment ça? Moi, je. Oh, mais tu as dit ici que non, tu es. Non, je n'ai pas dit yeux. Que je suis seule. Ah, tu n'es pas seule. Bien sûr. Monsieur, madame est engagée. Donc, comprenez, ne venez pas la déranger. Donc, ça veut dire que dans ton couple, tu es bien. Tu bien es à l'aise. Bien sûr. Est-ce qu'on peut connaître le nom? Non. Sérieux. Un peu de discrétion, Marvel. Ah, ok, bon. Elle a dit un peu de discrétion, on va regarder. Et je suppose qu'il est plus âgé que toi. Bien sûr. Toi, la différence d'âge dans le couple ne te cause aucun problème ou bien c'est un problème pour toi? Ça me pose problème si le gars est moins âgé que moi. Si le gars est moins âgé. Ouais. Donc tu ne sortiras jamais avec un homme moins âgé que toi, qui a peut-être 2 ans de moins que toi, 5 ans. C'est mon petit frère, non? C'est ton petit frère. Bien sûr. Mais il y a ces personnes qui ont connu des jeunes, mais qui ont été intéressants, qui ont été matures, avec qui ils sont en couple. Là, ce sont des cas exceptionnels. Des cas exceptionnels. Prenons par exemple la majorité des acteurs hollywoodiens. La majorité, si vous regardez très bien, vous verrez que les femmes sont toujours plus âgées que les hommes. Et cela ne les empêche pas de vivre une vie épanouie, une vie heureuse, une vie bien construite. En fait, en vrai, ce n'est pas un problème. Pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Mais moi, je ne saurais pas, en fait. J'aurais tendance à sortir avec mon petit frère. Tu auras tendance oui. à sortir. Le bac a bon belanga ajnaïe. Ok. Après. Mais seulement parce que la maturité ne se définit pas seulement par rapport à l'âge. Ok. Tu peux avoir 15 ans, mais tu as la maturité d'un homme qui a 25 ans. Tu peux avoir 40 ans. Mais tu es immature. Donc, ta manière de réfléchir est semblable à un garçon de 16 ans. Donc, là, André, on les appelle les aliénés mentaux, en fait. Les aliénés mentaux. Oui. Mais certaines personnes disent que c'est important de garder son âme d'enfant. Parce qu'on ne peut pas se marier avec un homme qui est tout le temps carré, carré, sérieux. À un moment donné, il faut se comporter aussi comme un enfant pour mettre un peu de saveur, du piment dans le couple. Il ne faudrait pas toujours rester carré. Non, moi, je vais enfin, un homme mature. Enfin, oui, que c'est une Marvel. Enfin, tu as un homme qui est un homme. Ça arrive. Tu as tracé qu'aide. Ça arrive. En fait, si ça peut vous aider à vous épanouir, à vous faire sûr, du bien. Bien sûr, chaque couple a un mode de vie. Okay. Chaque couple a une façon de vivre. Comme moi avec mon chéri. Et ça, tu as un homme qui est un homme. Et petit, et oh. vieux. Donc, bon, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de chérie. Ah, oui, donc toi, tu as grandi na moi dans Kikulu, na quoi? C'est ça son style. Ok, il se comporte comme avec toi, comme ça avec toi. Ouais, maintenant, moi aussi, deux fois, j'adore, tu vois. Quand il te dit, yo, un peu de la brutalité, un peu de truc, tu vois. Il y a même une femme qui m'a dit une fois. Ouais. Nous, les femmes, je ne dis pas toutes les femmes, la plupart des femmes entre nous, nous aimons parfois que nos hommes nous giflent un peu, nous frappent pour que je sente un peu son autorité. Bien sûr, surtout l'autorité. Ça joue un très grand rôle. Je ne peux pas être avec un gars haut. Mais même un homme qui a 25 ans, si par exemple toi tu as 30 ans et que ton homme a 25 ans et qu'il est mature et qu'il a cette autorité-là, ça va aller? Il peut être moins âgé, mais avoir de l'autorité. Il te parle comme ça, tu sens que c'est un homme.
là, tu peux changer d'avis. Oui, hein, je t'ai dit, ce sont des cas exceptionnels, mais c'est rare parce que tel que je suis là, je suis maintenant en L1. Ok. Mais sortir c'est quoi, avec le gars, genre première licence. Ok. Sortir avec le gars de mon auditoire, non, moi, dans le cas, nous avons un vicima. Ok. Oui, parce que déjà. Moi, je me rappelle. Hein. Moi, je me rappelle. Mon petit ami est plus âgé par rapport à Beninga Nangawana. Et puis, la façon dont on fait ensemble, la manière à façon de réfléchir et tout. Limité. Non, moi, oui, c'est limité, en fait. Parce que moi, Mutokoli Sanga, c'est mon petit ami. Ok, c'est lui qui a fait en sorte que tu sois un peu plus mature et oui, tout. Oui, il y a Azongi, Mais il y a par exemple les gens de ta classe qui ont aussi la maturité de bien ces messieurs là. Bien sûr, mais j'étais dit non. Ce sont des cas exceptionnels, ce sont des personnes exceptionnelles. C'est très rare, tu sais, mais ça, en réalité... Ça me rappelle une histoire. Je vais quand même la raconter. Même si l'histoire me fait rire. En fait, j'étais avec une amie. Enfin... Mm-hmm. Une copine avec qui, là, c'était il y a longtemps, hein, là, je crois que c'était en troisième commercial, parce que moi, j'ai fait ça. Troisième commercial, et elle était pimpante, rayonnante, très belle. Vous savez, les gens, des femmes, quand elles te regardent comme ça, toi-même, tu succombes sans même dire quelque chose. Elle était vraiment belle. En plus, vous savez, les femmes, quand elles ont encore 18 ans, 16 ans, elles sont vraiment rayonnantes. C'est comme on dit, à fleur d'âge, c'est ça, non? Voilà. Ouais, j'ai pris mon courage à deux mains, mais je me suis dit, je suis quand même un homme. Parce que je me disais, j'aime cette fille, mais il faut que j'aille la parler. Certaines personnes disaient ça, mais ils n'avaient pas le courage d'aller l'aborder. Moi, j'avais quand même eu le courage et je suis allé. Je commençais à m'exprimer en disant, écoute, je t'apprécie. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Okay. Elle a commencé à rigoler. Je me suis senti ridicule. Je me suis dit, je suis mal habillé ou quoi? Je me suis senti tellement ridicule. Peut-être qu'elle avait pensé à son petit frère. Non, même pas. En fait, moi, j'étais plus âgé qu'elle. Mais là, ce qu'elle me dit, c'est quoi? Elle me dit, oh non, écoute, moi, je ne peux pas sortir avec un gars de ma classe. C'est pas propre. Moi, je préfère sortir avec des gars d'université et tout. Bien sûr que tu es plus âgé. Est-ce que tout ça a aussi une influence sur la femme ou bien sur les couples ou bien sur la relation? Parce qu'on est dans une même classe, on ne peut pas sortir ensemble. Pourtant, on a vu des gens qui se sont mariés. Ils étaient amis des classes et aujourd'hui mariés en couple stable et bien établi. En fait, sur ces points-là, je vais un peu être claire. Ça dépend d'une personne à une autre. Okay. Le point de vue d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes où l'homme, même s'il a... Il est moins âgé que lui. Atazana, car il y a 5 ans et tout. Ponaï est anormal. Les expériences que nous avons vécu avec des gens plus grands que nous. Mais cela n'exclut pas le fait d'avoir aussi des gens moins âgés qui sont aussi expérimentés. Je donne un exemple tout bête. Okay. Moi, à l'âge de 16 ans, j'ai formé des papas, des grands-papas de 40 ans, de 42 ans qui venaient. À l'époque, on avait... Moi, je faisais de la saisie. Tu connais la saisie pour faire des documents et tout. Ces papas-là, ils ne savaient rien en Microsoft Word. Ils ne savaient rien en Microsoft Excel, par exemple. Quand ils venaient, moi, c'est moi qui les enseignais. J'étais moins âgé. J'avais 16 ans ou 14 ans, mais je les enseignais. J'avais une expérience par rapport à ce domaine-là. Donc, dire que non, nous avons connu des gens plus âgés, raison pour laquelle je ne voudrais pas sortir avec une personne moins âgée. Je vais te donner un exemple. Moi, ben, supposons que j'ai 18 ans. Et un garçon de 14 ans vient me draguer. Non, mais déjà, c'est illégal. Non, c'est illégal devant la loi. Toi, tu es une femme de droit, tu connais tout ça. C'est illégal. Dis, par exemple, un homme de 18 ans et une femme peut-être de 22 ans. Là, ça peut se comprendre. Non. Oui, faut pas dire 16 ans parce que c'est illégal déjà devant la loi. Illégal, soki boyebi. Mais si c'est caché. Oh. Comment si c'est ça, caché, par... Non, ceux qui boyé bi, au fait, ceux qui l'étaient yé bi, par exemple, ma parent d'un m'a permis de kater. Et ceux, ici, on les fait en cachette. Certes, devant la loi, ce serait commettre une infraction. Parce que le gars, il est mineur et qu'on sort. Mais cela n'exclut pas le fait que nous ayons des sentiments l'un pour l'autre. Ok. Donc, on peut le faire en cachette. Ok. Maintenant, ça peut aussi être le cas d'un garçon qui a, par exemple, 18 ans, mais qui est tombé amoureux d'une fille de 25 ans. Ok. Tu vois? Une fille de 25 ans, là. Na 25 ans, il y a combien d'années? Oui, mais généralement,
les plus jeunes ont tendance à s'orienter vers ce qui est dangereux, ce qui est mûr, ce qui est constitué, ce qui est expérimenté. Comme les garçons comme toi. Je ne parle pas de ma vie personnelle ici. Dire que non, être orienté, non. Ouais. Moi, malheureusement, je n'ai jamais connu des expériences voilà, je n'ai jamais connu des expériences intimes. Donc, moi, j'attends jusqu'au jour des mariages. Marvel. Mais je vais quand même soulever un point. Vous avez dit, si par exemple, le monsieur était moins âgé que vous et qu'il a de l'autorité et qu'il peut aussi se permettre de vous gifler, là, vous serez d'accord. Pourquoi vous aimez parfois qu'on vous gifle, parfois qu'on vous montre cette autorité-là? Ça fait partie de fantasmes de femmes, bien que c'est un secret. Les femmes, je suis désolée, hein. Ça fait partie de nos fantasmes, en fait. Okay. Gifler, en fait, c'est que bien gifler. Hein, moi, bata, moi, bolingo. Ce n'est pas qu'un coup, bapin, zozo, bête, là, on a été. Okay. Tu vois? Genre, non, Lucana a provoqué, on a dit, mon anko, cap, moi, gifle, moi, bima, on a, attends, on est là, on est sur bon de langa. Ah, donc vous, vous êtes dans la manipulation. Non, vous êtes, c'est l'amour, Marvel. Non, mais quand vous faites des choses subtilement sans que les gens le sachent, c'est une façon de... Il faut que, je t'ai dit que ça fait partie de fantasmes, nos fantasmes en tant que femmes. Non, mais ça, c'est un secret des polichinelles. Hein? Ouais. Même pas. Quand vous dites... Non, mais c'est connu de tout le monde. Non. Non, mais bon, après, si vous dites que ce sont des fantasmes, c'est-à-dire que les hommes, eux aussi, ont l'air fantasmes. Bien sûr. Non. Il y en a le banc A. Bah, allez-y. Allez-y. Un bon but. Moi, j'ai connu des couples stables où l'homme est moins âgé. La femme est plus âgée, mais la femme garde toujours ses respects, la considération envers son homme. Mais c'est très rare, Marvel. Ce n'est pas question de rareté. Si vous voyez, par exemple, comme je vous ai dit, si vous regardez, par exemple, des couples européens, vous constaterez que la majorité, je ne dis pas tout le monde, la plupart, pas forcément la majorité, mais la plupart des couples européens, vous verrez que non, l'homme est peut-être moins âgé et tout. Même ici, en Afrique, même au Congo, nous avons des couples et qui sont même connus des célébrités. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, dire que si ça ne vous arrange peut-être pas vous, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être normal. Seulement, vous n'avez peut-être pas une ouverture d'esprit pour essayer de tenter ou bien d'ouvrir la porte à des nouvelles horizons ou bien des expériences qui peuvent vous aider à aboutir à des choses qui seront peut-être incroyables plus tard. Peut-être. Ben moi, on ne m'a pas encore... Genre un gars moins âgé que moi, il ne m'a pas encore dérangé. Okay, bon, heureusement que tu es en couple avec celui qui est plus âgé. Vous avez dit que si vous trouvez une personne mature, une personne intéressante, une personne qui vous... Intelligent, qui remplit... Voilà, qui remplit critères, les critères. Voilà, voilà. Si vous arrivez à croiser cette personne-là, bien qu'elle soit moins âgée que vous, vous pourriez changer d'avis. Bien sûr. Bien sûr. Mm-hmm. Ah, donc j'ai réussi à vous faire comprendre certaines choses. Bien sûr, nul ne connaît tout. Okay. Non, je n'ai pas dit que je détiens la clé de la connaissance. Non, j'ai dit que moi, en fait, je ne connais pas tout et je peux apprendre par toi aussi et par n'importe qui. Comme moi aussi, je peux apprendre par toi. Bien sûr. Je viens d'apprendre une chose, bien que c'était un secret des polichinelles où tout le monde, voilà. Mais j'ai quand même... Même c'est chez lui qu'on appelle le plus bête là. Celui qui est plus bête, on peut apprendre chez lui. Ok. Ouais. Donc, ce que tu peux dire à ces femmes-là qui disent que un homme moins âgé, ça ne peut pas marcher. En fait, là, je ne veux pas vraiment très marteler sur ça, mais ça dépend d'une personne à une autre. Okay. Mais je peux tout simplement dire, l'écart d'âge dans une relation amoureuse n'est pas vraiment un facteur important ou essentiel. Okay. L'important est que la personne soit mature. Okay. Intelligent, bosseur. Okay. Je ne sais pas, les femmes, on a nos critères genre beau, élégant et tout. Tel que tu aimes, mais seulement s'il est responsable. C'est ça le plus grand facteur. Bosseur, et c'est quoi la responsabilité selon toi? Ouais, la responsabilité selon moi, c'est lorsque un homme est capable de subvenir aux besoins de sa famille. Ok, c'est ça. Pour moi, c'est ça un homme. Il doit être protecteur. Il doit être les gardiens de la famille. Bien sûr. Il doit être travailleur sur tout ça. Okay. Il doit se battre parce que il y a certains gars où moi si soit kabelembongo aussi plein et puis donc yembongo moi si aller à Canada on va comme une machine quoi. Bon, ça c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais c'était juste un exemple. C'est pour dire que la responsabilité, selon moi, l'homme doit
la tête doit réfléchir. Okay. Oui, il doit avoir un cerveau, savoir bosser et savoir si aussi préparer comme moi. Non, c'est une qualité. En 2023, avoir un homme qui sait préparer. S'il vous plaît. Vous voulez des hommes romantiques, vous voulez des hommes galants, tendres et tout. Et quand par exemple je vous invite chez moi, je vous fais à manger. Toi et moi on sait déjà que t'es pas romantique. Donc arrête d'aborder ces sujets.